Ben, ouais, c'est vrai qu'on a eu une semaine assez ventée. Ben, pour moi, c'était déjà avant tout venir ici, c'était une sorte de test en fait. Je venais pour me mesurer aux meilleurs internationaux. Plus particulièrement dans les conditions de planning, de vent donc. Et ben, c'est tombé super bien. On a eu une semaine ventée de la première journée à la dernière. Donc j'ai pu vraiment voir où je me situais et puis a priori comme je gagne je me situe pas mal donc c'est pas mal, c'est bien. C'est pas la priorité, ça c'est sûr, de la saison. La priorité de la saison et de l'Olympiade, c'est les Jeux Olympiques. L'objectif pour moi en venant ici c'était vraiment de me mesurer par rapport aux étrangers et de voir où en était mon projet justement de préparation. L'objectif pour moi en venant ici, c'est de faire un podium éventuellement. Et puis, finalement, j'ai vu que j'allais plutôt bien en vitesse. Mentalement, je me sentais vraiment très bien, très fort. J'ai pas trop hésité et je me suis mis assez rapidement aux avant-postes et ça a bien marché pour moi. Ben en fait, je savais depuis un moment que ça commençait à aller très fort. Depuis, je dirais, l'automne l'année dernière, je sais que je commence à aller vraiment vite. J'ai pas réussi vraiment je dirais, à le montrer et à conclure en compétition jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine. Je suis passé un petit peu à côté du championnat du monde à Perth pour moi. J'ai pas réussi vraiment à montrer ce que je savais faire déjà à l'époque. Là, on va dire que j'ai pas loupé au rendez-vous. J'ai montré que la vitesse était là. Et que voilà, il faudra compter sur moi maintenant dans ces conditions-là. J'ai pas voulu en parler stratégiquement par rapport au jeu, mais effectivement Antoine Albault me suit depuis l'année dernière, même depuis 2 ans maintenant. Donc on essaie de se voir régulièrement dans l'année pour faire juste du test en fait, de matériel, de vitesse. Et puis Antoine, on sait, avec le palmarès qu'il a derrière lui, on sait toutes les qualités qu'il a dans les conditions de vent. Pour moi, c'est hyper enrichissant de l'avoir en tant que partenaire parce que c'est un lièvre unique, je dirais, dans le monde de la planche à voile. Donc pour ça, je suis quasiment sûr de ma vitesse. C'est pour ça que je disais que j'avais une bonne vitesse dès l'automne parce que je me suis aperçu que dès l'automne, j'allais bien même avec lui. Et puis, il faut pas oublier non plus les autres partenaires d'entraînement qui font partie de l'équipe de France avec moi, qui sont de très très bons repères également, avec qui je m'entraîne quasiment tout le temps et à qui je remercie également. Ok, on se revoit quand? Là, on se revoit dans quelques mois à Londres. À bientôt.